Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un pari, votre rubrique Turf FR. Alors, ce mercredi 4 mai, il y a une semi nocturne sur l'hippodrome d'Enghien. Le quintet sera en réunion 1 à Longchamp, comme vous le voyez. Moi, j'aime beaucoup une pouliche dans cette réunion. Ce sera dans la sixième course. Le prix a des batignolles. Il faudra attendre 19h15 avant d'avoir le droit de regarder cette course. Vous allez le voir, c'est donc une épreuve réservée à des pouliches de 3 ans. Il n'y a pas gagné 14 000 euros, 2150 mètres à parcourir à l'autostart avec 15 partantes. Hein. Il y a quand même pas mal de monde. J'ai longtemps hésité avant de vous la donner. Maintenant, je la reprends. Je vous l'avais déjà donnée, c'est Joyce, le numéro 4. La dernière fois, elle m'a un peu déçu. Maintenant, le lot était bien meilleur, je trouve. Elle trottait 1,14,5 sur un parcours de 2200 mètres sur grandes et petites pistes. Elle avait fait pas mal d'efforts en partant. Elle avait dû quand même accélérer en début de course pour venir se placer. Et puis derrière, elle avait eu un parcours un petit peu innovant. Elle n'avait pas eu un parcours évident et elle s'était montrée courageuse pour être seulement sixième. J'étais déçu ce jour-là. Elle était favorite, hein, vous le voyez. Elle était à 3,40 €. Je l'aimais beaucoup avec Gwen Junot. Louis Baudron sera au sulky cette fois-ci. 2150 mètres autostart. Je pense que ce parcours va lui aller comme un gant. Elle a déjà couru là-dessus du côté de Cagnes-sur-Mer en début de carrière. Regardez, 2150 mètres autostart. C'était à Cagnes-sur-Mer. C'est un parcours à peu près similaire. Hein. C'est des parcours de vitesse qui sont un petit peu coulants comme ça sur des pistes plates. Regardez, deuxième de Jezabel Genilou devant Justin Bold. Un bon poulain. Voilà, elle a de la vitesse. 2150 mètres, elle a débuté, c'était pas l'autostart à Cordemais. Maintenant, c'est une pouliche qui aime beaucoup les parcours de vitesse, comme celui-là. Je vous l'ai dit, elle a un bon numéro derrière la voiture, le 4. Voilà, Louis Baudron se met au sulky. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je la rachète. Ce sera peut-être la dernière fois que je lui donne sa chance. Mais en tout cas, je pense que sur son avant-dernière sortie, où elle m'avait beaucoup plu, je pense qu'il ne faut pas la condamner sur la dernière fois où elle est sixième. Donc voilà, je préfère tenter une dernière fois avec elle. J'y crois vraiment. Et j'espère qu'elle va me rassurer. En tout cas, je l'estime, cette Joyce. Et je pense qu'elle a tout à fait les moyens de finir dans les trois premiers dans une course comme ça. Donc voilà, ce sera le jeu simple de ce mercredi 4 mai en réunion 4 dans la sixième course. Le numéro 4 que je vais jouer. 2 euros gagnants et 4 euros placés. Je ne vais pas changer les bonnes habitudes. Je suis sûr qu'elle va remettre les pendules à l'heure, cette pouliche. En tout cas, j'ai confiance en elle. Voilà, vous savez tout. Merci de m'avoir suivi pour cette édition du mercredi 4 mai. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Un jour, un pari. D'ici là, passez une bonne journée, portez-vous bien. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien entendu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cochant la petite cloche. Merci beaucoup. Bye bye.